venu en voisin de Toulouse. Superbe but sur ce centre venu de la droite, Czchouravi qui ouvre le score juste avant la mi-temps, 43e minute. Et il me semble bien que c'était un centre de Mehmet. Mais quel beau coup de tête de Thomas Czchouravi. Là-bas, non, c'est le numéro 3 sous Koparek. Il monte, il frappe, il pique sa balle dans le coin du but de Bernard Lama, imparable. Superbe coup de tête, vraiment. Czchouravi est toujours là pour marquer des buts importants. Sur le petit filet, il n'y avait pas grand-chose à faire. Centre aveugle, sans regarder, Czchouravi était là, dans l'axe. Et bon coup de tête du joueur du Genoa. C'est vrai que l'équipe de France a été quelque peu timide. C'est le contre. Nemec. Attention. Smejkal et but. Ah là. Là. Belle frappe à ras de terre. 45e minute et ça fait 2. Et regardez. C'est extraordinaire parce que les Français avaient un bon ballon de but et. Après l'avoir perdu, un ballon en retrait de Horst Siegel et frappe extérieure du pied, superbe, toujours ce petit coin. Siegel en retrait, belle frappe à l'équilibre, parfait de Siegel, Smejkal. Smejkal, oui. Deuxième but à la 45e minute. Et deux buts en deux minutes en cette fin de première mi-temps. À 0-0, c'était pas convaincant, mais là. Ils en veulent sur le banc. Ah, Zidane peut-être. Ah oui, bien joué, passement de jambe. Attention, frappe et but. Oh, celui-là, il est beau. Mais, ça vient tardivement, mais quel bon but. Dans la conception et dans la réalisation. Une ouverture de Laurent Blanc. Un passement de jambe de Zinedine Zidane et une belle frappe au pied gauche. Superbe. La 84e minute. Qui échappe à Smejkal. Le passement de jambe de Zinedine Zidane sur Kubik. Un petit crochet sur Repka. Et une frappe extérieure pied gauche. Ah, décidément, oui. Ce coin du but attire le ballon. Superbe but vraiment de Zinedine Zidane. Les deux buts de la République tchèque étaient beaux. Et celui-là l'est aussi. Thuram poursuivi par Poborski. Derrière lui encore Zidane. Lissarasu. Les cinq dernières minutes. Et pourquoi pas. En tout cas, ça va les rendre intéressantes. Berger. Contrée, récupération Zidane, Dimeco, Lissarasu, deuxième poteau. Ah, il a été signalé hors jeu. Oui, signalé hors jeu avant que Suko Parek effectue sa remise de la tête. Passement de jambe. Une très belle frappe. Ils sont deux contre deux, attention. Ouais. C'est Ngoti qui a une ballon. Et Laurent Blanc. Cantona. Et Gloma qui est toujours là. La balle n'est pas sortie. Et ce sera un corner. Cinquième corner de la partie en faveur de l'équipe de France. Il s'agit de bien le tirer, car c'est peut-être un ballon d'égalisation. Oui! Égalisation! Encore Zidane, c'est le coup de deux. Ah, quel renversement! Et quelle fin de partie!
il fallait attendre les fins de chaque période. Zinedine Zidane pied gauche, Zinedine Zidane de la tête. Voilà, il s'agissait de bien le tirer. Coupe la trajectoire et un ballon qui passe hors de portée. Voilà, à la hors de portée de 43e minute de la deuxième période, c'est-à-dire à la 88e. 2-2, ça fait moins désordre. Et puis peut-être.